Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a mis le petit pull parce que au matin et au soir comme maintenant ça rafraîchit, c'est l'automne. Bon, la journée ça va, il a fait bon. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, unboxing diamond painting. Alors, c'est unboxing avec la boutique E-Diamond Painting. Donc, vous avez déjà vu des unboxings avec cette boutique-là chez moi, sur ma chaîne. Alors, c'est un petit unboxing. Il y en a qu'un. Il y a un kit, mais c'est un grand kit. Bon, j'avais dit, maintenant, je prenais des petits kits, mais là, bon, c'en est un grand. Bon. J'ai dérapé. Ça arrive, hein? J'ai dérapé. J'ai glissé, chef. Alors, il était bien emballé dans un carton. Et bien emballé. Oh, j'ai du mal à le déballer. Alors, c'est pour ça que j'ai déballé avant de vous le montrer. Parce que sinon... Ah oui, il était dans deux plastiques, un autre... Et là, il est encore dans un plastique. Alors, on va enlever. Hop, hop, hop. On fait pas tant de bruit avec les plastiques. Alors, celui-ci, ça va être un 80/55. Alors, vous voyez, c'est un grand. Alors, je vais d'abord récupérer les pelles. Alors, c'est un grand, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y en a que 24. Alors, ce sont des perles rondes. Voilà. Par contre, j'ai eu deux kits. Voilà. Au cas où on voudrait faire chacun d'un côté. donc, des perles rondes, voilà, en sachet zippé. Donc ça, c'est bien. Ben alors, non mais, j'ai une mouche qui m'embête. J'aime pas les mouches qui viennent faire bzzz dans les oreilles. Alors, on va d'abord vous montrer les couleurs. Alors, j'ai donc les sachets comme ceci. Je ne vous les montre pas dans l'ordre, mais bon. Voilà. Donc, celui-là, je viens de vous le montrer. Je vous remonte deux fois les mêmes. Bon, désolé, vous voyez à l'envers hein, les chiffres, hein, mais bon. C'est pas très important, c'est la couleur qui vous intéresse. Ah bah si, si je mets le sachet à l'envers, vous voyez, chiffre à l'endroit. Voilà, comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il est grand. Là, il y en a. Ah, il y en a deux, trois de notre couleur qui se sont promenés dedans, mais c'est pas grave. Ça colle. Et c'est quand même du gros paquet, hein. Et les derniers. Voilà.
Et voilà le dernier. Donc, c'est des jolies couleurs. Donc, on va les remettre dedans. Là, je suis sur mon petit bureau de coloriage. Alors, je range tout de suite ça parce que sinon, j'ai pas de place. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Vous savez, il est grand. Alors, je vais me mettre. Voilà. Comme ceci pour que vous le voyez bien. Je vous remets l'image hein, comme d'habitude, comme ça vous verrez mieux. Les petits, les bébés tigres avec une maman tigre. Voilà. Donc, il n'est pas abîmé, il n'y a pas de rivière, rien. Je vous montre l'impression. Vous voyez? Et ça colle là. Donc, voilà. Voilà, donc c'était un petit unboxing, mais bon, vous voyez, c'est quand même un bel unboxing parce que c'est un joli kit. Moi, avec des tigres, j'en ai déjà donc un qui est là que j'avais fait il y a longtemps et un autre là-bas. Vous voyez, là-bas, non, mon bras, il va là. Hop. Donc j'en ai déjà fait deux avec des tigres. Et c'est vrai que les tigres, c'est toujours joli. Voilà. Donc, c'était une toute petite vidéo. Vous voyez, l'unboxing est vraiment pas long pour une fois. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. Mais on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. J'ai oublié, je vous mets le lien de la boutique et le lien du kit en barre d'infos comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, je vous embrasse fort.